L'école Saint-Bernard a été fondée au départ par des laïcs en 1982. La première entrée, c'était la rentrée 82-83. Ça veut dire que l'année prochaine, nous fêterons les 30 ans de l'école. Ces laïcs ont appelé des prêtres de la fraternité pour assurer et la direction et l'aumônerie. C'était dans les années 84-85. Et le premier directeur de l'école Saint-Bernard de Paris fut l'abbé Benoît de Jornat, qui est actuellement directeur du séminaire d'Écône. Donc beaucoup de prêtres y sont passés, tels que monsieur l'abbé Barère, monsieur l'abbé Quillard, monsieur l'abbé Joly, monsieur l'abbé de Bujado, qui est resté 10 ans et auquel je succède. Après mon ordination à Écône en 2008, mes supérieurs m'ont nommé à l'école Saint-Joseph des Carmes, un lycée-collège, même école primaire, qui se situe près de Carcassonne. C'est un pensionnat. Donc j'ai effectué mon premier apostolat dans cette école, au sein de cette école, où j'ai été bien formé, je pense. Et ensuite, après 3 ans, M. Abbé de Cacré m'a appelé à l'école Saint-Bernard à Paris, donc ce qui constitue ici mon deuxième poste actuellement. Alors j'ai eu la chance de passer à l'école Saint-Bernard de Courbevoie à Paris, en 6e, donc c'est un petit peu un retour aux sources presque. Avec M. Abbé Boubé, qui était mon directeur. Et ensuite, parce que mes parents ont déménagé à Bordeaux, là, j'ai suivi plutôt un cursus dans une école privée sous contrat, Notre-Dame, à Bordeaux. J'ai un bac scientifique avec des options latin et grec. Ensuite, j'ai fait une double licence histoire et lettres. Et j'ai fini par une maîtrise et un master 2 en histoire à la Sorbonne. Et enfin, j'ai suivi la formation de l'ILFM d'Anne Coffinier, l'Institut libre de formation des maîtres, donc pour enseigner en primaire. Alors, l'enseignement libre, d'abord la liberté de ce qu'on peut réellement enseigner, c'est d'apporter une culture générale, une culture littéraire et des exigences qu'on peut pas forcément, donner et attendre dans une classe normale. Je suis une fille de professeur du public, donc je sais quelle est la réelle marge de manœuvre et les résultats qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Au-delà de l'amour des enfants, c'est d'abord l'amour de transmettre quelque chose, de leur former à la fois l'intelligence, l'esprit, et d'essayer de les élever à travers tout ce qu'on peut faire dans la journée, les textes, et puis tout simplement le quotidien. Oui. Et donc, vous sacrifiez une carrière, des prétentions financières. Alors, etc. Je ne sacrifie pas des prétentions financières. C'est vrai qu'à la base, j'aurais aimé poursuivre dans l'enseignement supérieur au niveau du lycée, voire de la faculté. Et il s'avère que je préfère cet âge-là. Plus petit, ça ne m'aurait pas convenu. Mais d'abord parce qu'il y a une diversité des matières. Finalement, on n'est pas juste, sinon je n'aurais fait que de l'histoire. Et parce qu'il y a un contact que je n'aurais jamais si je m'occupais de plus grand. Quoi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Acte d'offrande. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres et les souffrances de cette journée, en réparation de mes péchés. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Tac. Voilà. Et un. Alors, je reprends cette phrase. Depuis si longtemps qu'il voyait la porte du moulin fermée, virgule, les murs et la plateforme envahie par les herbes, virgule, ils avaient fini par croire
que la race des meuniers était éteinte. Je pense que c'est largement voué à l'avenir, et c'est ce que dit Anne Coffinier dans toutes ses actions. Elle pense que c'est vraiment l'avenir de l'éducation, plutôt que de réformer de l'intérieur, d'essayer de répandre et de donner une réelle instruction aux élèves par ce biais-là. Alors, on travaille en silence. Quand vous faites les U, regardez le deuxième U. On voit les flèches qui vous indiquent dans quel sens il faut tracer la lettre. Hein, on commence par monter. Ensuite... En fait, je suis institutrice parce que j'aime faire passer des notions aux enfants, leur faire comprendre des choses nouvelles. Les faire progresser dans tous les domaines, en fait. Voilà. Donc, au niveau de la compréhension, évidemment, de ce qu'on leur demande à leur âge dans l'instruction, mais aussi les faire... progresser au niveau moral, spirituel, enfin voilà, voir l'enfant grandir. Pourquoi dans une école catholique et pourquoi dans une école catholique hors contrat? Voilà. Alors justement parce que à mon avis c'est le seul endroit où on peut vraiment s'occuper de l'enfant dans sa totalité. Dans les autres écoles, on est plutôt brimé, empêché, disons, enfin, de s'occuper du côté spirituel ou du côté moral des enfants. Donc moi, le côté instruction, évidemment, m'intéresse beaucoup. Faire passer des notions intellectuelles, c'est passionnant. Mais l'enfant doit être pris dans sa globalité. Et je serais très frustrée de ne pas pouvoir m'occuper de leur progression global, si je puis dire. Voilà, alors le côté, oui, donc le côté spirituel, et puis, parce que dans certaines écoles, on pourrait effectivement s'occuper du côté moral aussi, mais le côté spirituel, finalement, il n'y a qu'ici où on puisse vraiment le faire pleinement. Je suis juriste de formation. Mais le droit mène à tout. Puis j'ai eu l'occasion de remplacer une amie une fois, une journée. Je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup. Puis le monde du travail en droit m'a aussi déçue. Alors que le petit monde de l'école m'a beaucoup plu. Même ma cartouche, chaque fois que j'appuie, elle se ils ont 7 ans à peu près. Normalement, ils sont à cheval sur 7-8 ans. On enseigne toutes les matières. Enfin, l'essentiel en CE1, c'est les premières bases du français calcul. Les premières bases de conjugaison, de grammaire, et puis les 4 opérations avec des petits problèmes, et les mesures. En CE1, on commence à avoir aussi toutes les matières classiques, histoire, géographie, sciences, des leçons de catéchisme aussi, qui sont pas faciles, parce qu'il y a des termes un peu compliqués pour les enfants. Oui. On a des petits effectifs, et puis surtout, on peut utiliser les méthodes traditionnelles. Quand vous avez des outils qui sont mauvais, vous ne pouvez pas faire du bon travail. Donc là, on a des livres traditionnels et puis on a une totale liberté. Donc il y a tout un éclairage des matières qui est catholique. Donc même la science, enfin, quand on fait un cours de science, on montre à quel point la nature est bien faite. Oui. On ne manque pas l'occasion de le montrer aux enfants que le bon Dieu a pensé à tout. Nous avons actuellement 76 élèves qui se répartissent entre la moyenne maternelle et le CM2. Donc nous ouvrons pratiquement toutes les classes de primaire, sauf le petit primaire, ce qui veut dire qu'en fait nous accueillons les enfants à partir de 4 ans. Mais comme nos classes malheureusement sont assez étroites, certaines, du coup nous sommes obligés malheureusement parfois de refuser certains élèves. C'est vrai que Saint-Bernard est une école catholique et c'est vrai que la formation religieuse entre en grande considération. Parce que c'est un peu l'esprit de l'Église. Alors, les élèves suivent des cours de catéchisme, une heure par semaine, et aussi des cours d'histoire sainte, une heure par semaine. Je les prends aussi deux fois par semaine un petit quart d'heure pour leur raconter une histoire d'une vie de saint, ou alors pour parler un peu de la liturgie ou de l'histoire de l'Église. Et ensuite, les enfants ont la possibilité de fréquenter les sacrements, alors qu'ils assistent à la messe une fois par semaine en classe, sauf pour les maternelles, et ils assistent aussi une fois par mois à la messe de l'école, messe qui se déroule à Saint-Nicolas du Chardonnay, une messe qui est chantée. Et puis nous avons une institutrice aussi qui leur apprend le chant
le chant des chants religieux pour chanter à la messe. Et qu'est-ce que fait l'âme? Elle ne se décompose pas, l'âme. L'âme, elle est immortelle. Et donc, l'âme, juste après la mort, on va voir, est jugée tout de suite par Dieu, dans le lieu même où on est mort. Si nous mourons dans notre chambre, on est jugé dans notre chambre. Si vous voulez bien vous préparer à votre mort, il faut veiller et prier. Veiller. C'est-à-dire quoi veiller? Ça veut dire qu'il faut toujours être en état de grâce. Pendant l'année. La plupart viennent de la moyenne section, oui. J'ai 4 ou 5 nouveaux qui arrivent d'autres écoles ou qui sont scolarisés pour la première année. Alors moi j'ai fait la formation des maîtres à l'Institut Saint-Pédis et en parallèle j'ai fait une licence d'espagnol à l'Institut catholique de Paris. Ça nous permet de dispenser aux enfants un enseignement et on garde un enseignement traditionnel en fait par rapport à ce qu'on faisait avant, on n'a pas suivi les évolutions. Dans la lecture, par exemple, on est resté à la méthode syllabique et on leur apprend lettre par lettre, on n'est pas passé à la méthode globale. Moi, j'ai été élevée comme ça, donc ça me permet de pouvoir donner ce que j'ai reçu. Ça suppose tout de même des sacrifices par rapport à une carrière dans l'enseignement classique. Je ne suis pas très carriériste, Non, moi, je pense pas qu'on puisse parler de sacrifice. Au contraire, ça me plaît beaucoup d'enseigner là, d'avoir ces enfants. Alors, je pense que le premier point, ça va être le petit cours de catéchisme tous les matins. Donc, on leur apprend les bases de la vie de chrétien. Nous, au maternel, on commence avec la création. Donc, on apprend tout ça. On apprend que le bon Dieu existe, qu'on est sur la terre pour se sauver, pour aller au ciel. Donc tout ça, c'est des notions qu'on leur apprend dès le plus jeune âge pour que ça leur paraisse naturel. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, on leur apprend à vivre en catholique. Donc on fait des sacrifices ensemble, toute la classe, on fait des efforts, on prie pour les mamans qui sont malades, les uns pour les autres. Tout est tourné de manière catholique, c'est-à-dire que les repas sont entourés par un bénédicité et des grâces. Alors tous les matins, effectivement, la prière qui est dite à la chapelle. Et puis donc les enfants donc font la prière du matin et puis au milieu de la journée à midi ils récitent en général une dizaine de chapelets pour les habituer petit à petit à la récitation du chapelet quotidien. Et puis comme nous sommes dans la croisade du rosaire qui a été lancée par Monseigneur Felet, eh bien les enfants s'y engagent de manière plus concrète, en récitant maintenant plusieurs dizaines de chapelets par jour. Ouais. Avant chaque cours, une prière, ouais, avant de démarrer un cours, et puis à la fin du cours, et voilà, pour remercier du cours qui a été dispensé. Crayon papier. Donc moyenne maternelle, c'est là que vous accueillez les premiers... Oui, on n'a pas de petite section, donc ça commence à la moyenne section. Ils ont 4 ans en début d'année et 5 ans à fin d'année. Combien d'enfants actuellement?
8. Aussi petit que ça, vous. Regardez, on va le rallonger. Fais la boucle. Alors, moi, je fais une licence d'histoire à l'Institut et la formation du maître de l'Institut aussi. Donc, l'Institut universitaire, ça vous dit. Voilà. C'est souvent leur première année à l'école, donc ils découvrent l'école. On leur apprend beaucoup de petites choses de discipline pour toute cette année-là. Beaucoup de graphisme, donc c'est avant l'écriture, c'est une préparation à l'écriture, et ils commencent à apprendre les lettres et les chiffres aussi. Alors, quelle est la particularité de l'enseignement hors contrat pour une classe de maternelle? Déjà, pour une classe de maternelle, on ne fait pas du tout de méthode globale. Donc ça commence, dans les autres écoles, ils commencent déjà en maternelle à apprendre des mots par cœur. Nous, on ne fait pas du tout. Mais sinon, ça ressemble beaucoup aux autres maternelles. Oui. On commence le catéchisme avec la miche de pain. Voilà, on a un petit cours de 10 minutes tous les matins. Tous les matins? Oui, tous les matins. D'accord. Et la prière Et la prière le matin aussi, et puis en début d'après-midi avant la sieste. D'accord. C'est vrai que nous ne sommes pas liés strictement à l'académie ou au programme de l'éducation nationale, ce qui fait que nous observons une formation très classique. Par exemple, dans la méthode syllabique pour l'apprentissage de la lecture. Ensuite, il s'agit pour nous de faire apprendre aux enfants à maîtriser un peu leurs pensées. Les premières notions d'analyse aussi existent pour eux. Et par exemple, nous utilisons des méthodes classiques éprouvées. Dans les grandes classes, tous les exercices doivent être rédigés pour éviter des exercices à trous ou des QCM maintenant qui sont de plus en plus répandus. Dans le calcul mental, voilà, nous assistons aussi là-dessus, pour vraiment accentuer la réflexion de l'élève. Voilà. Et puis aussi, au point de vue historique, nous suivons un cursus histoire de France et vu de manière chronologique, voilà, de l'Antiquité, enfin des Gaulois jusqu'au roi de France, de la Révolution. Et les enfants ont 6 ans. D'accord. Et donc, quelle est la particularité d'une école hors contrat, à part que les professeurs sont beaucoup moins bien rémunérés que... Oui, en CP, c'est sûr que c'est très différent d'une école sous contrat, parce que la méthode d'enseignement est différente. C'est une méthode traditionnelle pour l'enseignement de la lecture, donc une méthode, ici à Saint-Bernard, c'est une méthode syllabique et gestuelle. Donc les enfants, du coup, font travailler leur mémoire auditive, leur mémoire visuelle et aussi leur mémoire gestuelle. Et moi, j'ai fait une licence d'anglais à Bordeaux. Mon chemin, je le connais bien, c'est qu'on corps au père à la soin. Nous avons 6 institutrices
voilà, qui travaille donc en permanence à l'école. Nous avons aussi une secrétaire qui est là depuis plus de 20 ans, très dévouée à l'école, qui travaille le lundi et le mardi de manière tout à fait bénévole. Nous avons aussi des dames qui s'occupent du réfectoire, assurer les services au réfectoire, faire passer les plats aux élèves, etc. Nous avons aussi un professeur de sport et une dame qui s'occupe de faire le ménage, évidemment, de l'école. Ce qui correspond à peu près à 10 personnes, plus des parents qui sont pas dans l'école, mais qui travaillent aussi autour avec grand dévouement. Ouais. À l'école est parfois difficile pour des parents qui sont obligés de faire beaucoup de métro, beaucoup de trajets en voiture, et aussi bien le fait que bien Paris est cher. Donc pour une école privée hors contrat, c'est vrai que bien les finances sont parfois assez difficiles. Voilà. Point de vue financier, bien nous sommes totalement indépendants. Voilà, donc nous avons aucune aide extérieure, si bien que pour faire un peu connaître l'école et pour appeler parfois certains dons, nous sortons deux ou trois fois par an une lettre aux amis bienfaiteurs. Et je dois vous avouer qu'en ce moment, on a plus d'amis que de bienfaiteurs. Voilà. J'espère que les choses les proportions vont être inversées. C'est vrai que nous avons peu de moyens financiers et qui parfois empêchent de se développer encore un peu plus. On a parfois des matériels très abîmés, comme les tables de classe, par exemple, comme le réfectoire qui commence à être très abîmé dans les appareils tels que le micro-ondes, machines à laver, les couverts, les tables. Et comme nous avons peu de moyens, c'est vrai que tous les dons en nature et même autres seront vraiment bienvenus pour nous aider à financer un peu l'année scolaire. Oui. Alors ce sont des dons, oui, qui sont déductibles d'impôts, voilà, oui. Et donc avec un reçu fiscal qui peut être donné si la personne le demande.